Et bonjour à tous. Nous sommes le 11 mai 2024. Je suis au point de départ de mon ascension du Mont Ventoux, la première ascension de l'année 2024. Je suis en compagnie de David. On est que tous les deux aujourd'hui. Et le temps, il est absolument magnifique. Il fait très très bon. Il fait une température idéale, pas de vent. Donc toutes les conditions se réunissent pour qu'on puisse se régaler. On va essayer de monter au sommet. Et puis on va essayer de redescendre par la Combe-Fiole pour arriver jusqu'au Brun avec le circuit numéro 5 que j'adore. Bien, à tout à l'heure. Ciao. On n'y est pas encore. Hein. C'est beau, on le voit. Hein. On n'y est pas encore, mais... On pointe au sommet. Voilà, attends-nous, on arrive. Alors, nous sommes à 1493 mètres d'altitude. Juste en face de moi, là, on voit parfaitement bien les dentelles de Montmirail et tous les massifs de Baume de Venise jusqu'à Vaison-la-Romaine, qui est ce gros village, enfin, ce gros bourg qui est là-bas au fond. Et là, on se dirige vers le sommet du Mont Ventoux, de ce côté-là, pour redescendre après, côté encore au sud, jusqu'aux voitures. Voilà, on a basculé du côté nord. On vient de passer un barrage. Aujourd'hui, la circulation pour arriver au sommet, elle est encore fermée à tout engin motorisé. Ça fait qu'on a la route que pour nous. Et le sommet du Mont Ventoux que pour nous. Pas un bruit, à part les oiseaux. Magnifique. Allez, encore 300 mètres de dénivelé d'effort. Et après, on y est. Il y a encore de la neige. Ah. Il y a quand même 1,50 m encore. Hein. Là, il y a une possibilité de passer par là. Là, sur le chemin. Mais je pense qu'il vaut mieux monter par la route. Il est électrique. Pas beaucoup de monde aujourd'hui, hein. Viens, on va redescendre par là. Tu fasses du long aussi. Si, j'ai peut-être deux ronds, trois ronds. Je fais plus. Voilà à gauche Simpson.
C'est vraiment magique. Magique. C'est beau. C'est, les couleurs sont belles. Nous, on va là. Alors, le jas du Roussas à 1149 et moi j'ai 1151. C'est parfait. C'est parfait. Mon GPS il marche convenablement. Ouais, ouais. David ! Eh oh ! J'ai perdu Alessandre. David ! Avec les gants, c'est pas facile. Ah ouais. David ! Comme ça, ouais. Bon, je vais l'appeler. Hop ! Chut ! Oh, pars pas. Allez, bon courage. Allez. Tu veux dire à la pause ? Bon, David, je ne sais pas où tu es, mais bon, ça va être simple. Essaye, tu descends sur ces gros DFCI. Ouais. En fait, c'est le chemin qu'on a fait à l'aller, le même. Et à un moment... Je viens de voir les deux jeunes, tu sais, passer devant moi. Ah, eh bien alors, tu dois être pas loin de chez moi. Pas loin, alors. Non, attends, je vais vers eux, alors. Parce qu'en fait, j'ai pris une photo, tu sais, quand on est reparti. Oui. D'un coup, ça partait à droite et à gauche. Du coup, tu as pris à droite? Moi, je suis allé tout droit. Toi, tu as pris à gauche, alors? À gauche, ouais, il y avait... ouais, il me semble... Ouais, je crois que c'est ça, à gauche. Et du coup, là, je remonte le DFCI, ouais.
Tu le remontes le gros DFCI alors, hein, d'accord? Ouais, je suis là, je prends un virage et j'ai vu les deux jeunes là passer devant moi. Bon, ben, je vais crier, bouge plus. Non, tu... je suis, oui. Je sais pas si ça peut t'aider, je suis dans le, que tu m'as dit, on va traverser, on va arriver là, tu sais, passer un moment dans le DFCI, le parcours numéro 5 qui part dans les bois. Oui. J'y suis devant. Bon, alors, le problème, c'est de savoir si tu es plus haut que moi ou plus bas. Attends, je vais crier. Je vais crier. En fait, tu as pris un raccourci, là. Ouais. Quand on est passé, tu m'as dit c'est là qu'on va passer. Exactement. Eh ben, voilà, mais je savais où tu étais donc. Ah ouais, non, mais en fait, ce qui s'est passé. Eh oui, tu as pris. Tu vois, regarde, on s'est perdu ici là. Et toi, tu as pris ça là. C'est ça. Et pour arriver ici, et on est là. Et donc là, on part par là et on est. C'était sympa ce que j'ai descendu. Ah oui, oui, c'était sympa. Un petit chemin. Et mais là, ça va être encore beaucoup plus sympa, tu vois. Ça va être beaucoup plus sympa. Et ils sont passés par où? Là, eux? Non, ils ont continué le DFCI. D'accord. Enfin, moi, je suis parti là-bas. D'accord. Il me semble qu'ils sont remontés. D'accord, mais non, là, c'est la partie finale la plus jolie. Il me semble les avoir vu remonter. Mais il y a tellement de chemins. Du coup, quoi? Pas du tout, pas du tout. Ouais, c'est moi qui ai raté. C'est toi qui as pris un raccourci. Là. Là, il n'y était pas, là. Ça, c'est, tu vois, il y a eu beaucoup d'eau ici, là. C'est bien, hein? Attention, là, il y a un tremplin, là. Ça, c'est pour Gabi, ça. Attention.
sympa, hein. Ça tire les bras, hein. Ça tire les bras, ouais. Je trouve que c'est vraiment sympa, quoi. Ah ouais. Là, il y a encore un petit passage avec de belles paraboliques et après... C'est un joueur, là, hein. Ouais. Pas technique juste. Non, non, ou... non, ça roule, ça descend, quoi. Génial. David, ouais. Regarde comme c'est joli. Ah ouais. Je vais me mettre en bas là. Filme-moi là. Là, je suis en train de te filmer. Voilà. Et moi, je vais me mettre là-bas. Tu pars dans 2 minutes et je te filme en descendant. Ça marche. D'accord ? Voilà, randonnée du matin terminée, c'était fantastique. Une météo parfaite, on s'est régalé. On a tout vu, on a tout fait. De belles montées, je ne sais pas combien de kilomètres on a fait, mais ça a été vraiment très très bien. On s'est régalé. Bon, ben les amis, on était au Mont Ventoux avec mon ami David qui est là. Voilà, on rentre à la maison. Un repos bien 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 mérité. Allez, ciao à tous.